Alors, quelle est la raison de la présence de la Ligue des droits de l'homme cette nuit dans ce squat du 19e arrondissement, c'est ça, de Paris ? 18e. La raison, parce que la Ligue des droits de l'homme était déjà. On n'est pas seulement ce soir ici, on est présent depuis quelques mois déjà, depuis le mois d'octobre, sur ce bidonville. Parce que l'on défend les droits et surtout l'effectivité des droits pour tout citoyen. Alors ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est qu'une intervention de police est prévue depuis 6h ce matin. Et je crois qu'il est 6h30, elle n'a pas encore eu lieu. C'est la raison pour laquelle on peut constater que des familles commencent à partir. Qu'est-ce que vous craignez d'une telle intervention ? C'est pas ce que je crains, c'est ce qui va se passer réellement. C'est que les familles, certaines familles partent et puis elles vont aller ailleurs, s'installer ailleurs. C'est tout simplement. Pour vous, ça veut dire que tout le travail de suivi social, de santé, de scolarisation, c'est à l'eau, complètement à l'eau. Parce que là où ils vont aller, on ne sait pas encore où. On n'est pas assuré d'un suivi et qu'il y ait un relais de fait. Pour vous, c'est juste un déplacement du problème, en définitive ? Ah ben, complètement. C'est oui, tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce que les autorités vous ont proposé ou ont proposé à ces gens comme solution ? Je ne le sais pas du tout. J'ai vu deux policiers du commissariat du 18e hier après-midi. Donc veille de l'expulsion, je leur ai demandé, ils n'ont pas su me répondre. Ils ont juste dit que tout allait bien se passer, que les gens restent calmes, voilà, et rien d'autre. Vous savez depuis combien de temps existe ce squat ? Il y a un historique dans ce squat, il avait été... Les personnes ont commencé à s'installer en 2013, évacuées le 3 ou le 6... Évacuées le 3 ou le 6 juin, je ne me souviens plus, 2013. Et quelques semaines après, ils sont revenus se réinstaller. C'est pour ça qu'on voit des grandes barres... qu'on verra peut-être tout à l'heure, des grandes barres déposées par les forces de l'ordre ou RFF pour que les gens ne se réinstallent pas, mais ils sont venus se réinstaller quelques semaines après. Et combien de gens vivent ici ? C'était un bidonville qui comptait 150-200 personnes. Avec combien d'enfants ? Plus d'une cinquantaine, une cinquantaine. Vous savez combien on compte de bidonvilles en région parisienne de cette nature ? Pas du tout. Dans le 18e, il y a celui-ci et un autre qui va être évacué le 22 avril. Mais dans le 18e, il ne restera plus que celui de la Porte de la Chapelle, un petit peu plus loin. Et vous, en tant que Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Quels sont vos moyens d'action ? Dénoncer. Dénoncer, être aux côtés, bien sûr. D'être à côté et de, bien sûr, observer comment les forces de l'ordre vont se comporter, protéger un peu les familles, continuer à suivre certaines familles, parce que c'est pas facile, et essayer de retrouver un relais là où elles vont se réinstaller. Et recommencer la scolarisation, le suivi social. Les enfants qui se trouvent ici sont scolarisés ? Oui, bien sûr.
Oui. Pas tous, parce qu'on n'a pas eu le temps de scolariser tous les enfants. Mais la plupart des enfants sont scolarisés. Madame Brillier, vous êtes candidate sur les listes écologistes dans le 18e arrondissement. Expliquez-nous la raison de votre présence ce matin devant ce squat. Je suis d'abord venue en tant qu'habitante du 18e et citoyenne pour soutenir les familles, pour assurer qu'avec avec les autres membres des autres collectifs, des associations, qu'il n'y ait aucune violence de proférer contre ces familles, pour qui déjà sortir du camp est une grande violence, puisqu'ils vont retourner dans une vraie galère pour s'installer ailleurs, où ça sera tout aussi dangereux. Donc la dangerosité n'est pour moi pas du tout un argument pour les évacuer. Alors justement, pourquoi les pouvoirs publics veulent récupérer cet espace ? Je vous avouerai que... Il ne se passe plus rien sur ces anciennes voies ferrées de la Petite Couronne. Oui, voilà, le projet à venir d'investissement de la Petite Ceinture est très lointain. Non, je ne connais pas bien exactement les enjeux entre les divers acteurs sur ce terrain, mais en tout cas, je ne comprends pas du tout l'urgence d'évacuer ces gens. Il y a une ambulance qui va venir.